Bonjour à toutes et à tous, c'est Orange 88 et je vous retrouve dans cette deuxième partie de l'event de raid sur Titan. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à le passer à son mode de difficulté X et à remplir tous les objectifs. Du coup, j'ai profité de... Non, voilà, on va commencer par le sup, histoire de faire une petite mise en jambe, hein. C'est surtout ça l'idée. Et voir un petit peu du coup, pourquoi en changeant juste Luluka par Ishtola, pourquoi ça a passé mieux, surtout sur le X du coup. Donc déjà, première chose très importante, bon... Et ça peut être toujours plus ou moins important, mais surtout sur la difficulté X, c'est de break le boss et surtout sur son sur ses stats d'attaque. Pourquoi c'est important? Plus de plutôt de break sur l'attaque plutôt que de booster la défense de l'équipe. C'est parce qu'au niveau des dégâts que vont subir votre équipe, vous minimiserez les dégâts en y baissant ses stats d'attaque et en vous boostant vos stats de défense. Donc quitte à le break donc sur ses stats, autant faire un full break comme peut avoir Rain par exemple, hein. Après il y a d'autres unités qui ont peut-être pas forcément le full break, mais dans l'idée au moins ça vous permet quand même déjà de réduire sa cadence, enfin les dégâts qu'il inflige plutôt surtout. Et donc du coup, pourquoi Ishtola passait plus que Luluka? Déjà, Ishtola a naturellement donc présence d'esprit qui correspond au double sort. Donc forcément déjà de faire un double heal sur un tour, c'est toujours beaucoup mieux que juste un heal avec du coup la guérison de toutes les altérations d'état. Et après, donc je lui ai mis la capacité chère pour guérir un allié de la pétrification, parce que basiquement, voilà, la guérison ne fait pas partie des... ne fait pas partie des altérations d'état qu'elle soigne. Et comme j'ai équipé pour qu'elle puisse pas être pétrifiée, forcément, autant qu'elle puisse enlever la pétrification sur les alliés qui auraient subi l'altération. Vu que j'en avais deux en stock de chair, du coup le second je l'ai mis sur Rain. Parce que Rain, du coup, dans ma team, il est pas là pour faire des dégâts, il est là pour en tant que support. Donc lui son rôle ça va être donc de faire donc de break boost. Et après si c'est pas un tour où il y a le break du boss qui s'enlève, ou c'est pas un tour où les boosts s'en vont, et ben du coup c'est soit il est utilisé pour soigner une pétrification, ou soit, comme je viens de le faire là, ça utilise sa capacité garde pour qu'il subisse moins de dégâts pendant ce tour là. Bon, après, s'il se retrouve pétrifié d'entrée de jeu, ça sert à rien, on est d'accord. Mais voilà, l'optique, c'est ça l'optique. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà, petite mise en jambe tranquillou.
Voilà, donc 682 jetons de titan. Voilà, le nombre de jetons qu'on récupère qu'on récupère, c'est le score obtenu divisé par 10 arrondi au supérieur. Si vous interrogiez. Du coup, maintenant, on va partir pour du vrai, pour du lourd. Donc le hex, que je réussis désormais, comme je vous dis. Et du coup, et en même temps, ça va me permettre un petit peu de vous parler d'un commentaire qu'il y a eu justement sur la première partie. Voilà, et d'expliquer du coup un petit peu voilà le mon du coup mais mon point de vue par rapport au sujet escompté. Donc voilà, je vous affiche ça en même temps. Donc ça fait les dégâts. Bon, je vais quand même laisser moi la fin de la phase du tour. Et puis pendant que je ferai les validations des attaques, mais de toute façon, ça sera pas bien long, donc il n'y aura pas de soucis sur le sujet. Voilà, donc c'est jeté de roc qui transforme un allié en pierre. Et donc là, vu que ça a été fait là, heureusement qu'il a pas, il a fait peu d'attaques pour en faire des dégâts, donc du coup c'est pas grave si Chola n'a pas le boost sur son soin, puisque tout le monde avait perdu peu de points de vie. Et donc après je reproduis la même séquence. Voilà, après très clairement, c'est les unités alliées qui m'aident grandement pour réussir à faire les hex. Bon, là, il protège pas le bon perso. Voilà, très clairement, hein, c'est pas du tout celui-là qu'il fallait protéger. Du coup, il va falloir. Hop, tant pis, on va prendre une action à X-Death. Il faut pas qu'il meure au prochain tour, sinon je suis dans la mouise. Parce qu'il va y avoir la fin du break. Parce qu'un rain, donc le break de rain, donc le full break, ça dure 3 tours. Donc là on est sur le troisième tour. Et il va encore mourir. Et ben voilà, une protection qui a encore servi à rien. Bravo. Non, si je fais ça, c'est l'inverse. Donc, vie, point max. Bon, de toute façon, carrément, ça sert à rien ce que je fais, mais bon, tant pis. On va maximiser les dégâts. Voilà, car il fait un peu n'importe quoi, forcément, de suite. Eh ben, ça mène à la barre, hein. Et donc du coup là en principe il ne devrait pas y avoir resté grand monde debout. Voilà. Vous voyez la différence de puissance sur ces attaques, hein, le tumulte. Voilà 1400 sans le full break. Il y en a 8000, il y a 800. D'où l'importance de bien penser d'abord. Ah oui, et encore j'étais sous buff de défense en plus. Donc du coup 800. Oui, donc j'étais à 800 juste le full break sans défense supplémentaire. Donc avec de la défense sans full break, on est à 1500 du coup. Et là on va voir du coup sans boost. Ah non, ça change pour rien. Ah, enfin j'avais peut-être perdu déjà avant. Ah, ça doit être ça. Non, ça change rien, je sais pas. C'est vrai. Ou bien les 40% en fait ils servent à rien. Le boost de 40% en fait il sert à rien. C'est peut-être ça.
Et donc du coup, vous avez vu un petit peu où c'est que j'ai tombé ces points de vie, donc. Et donc du coup, je suis à 1623 jetons. Voilà, donc je vous ai essayé de vous montrer un petit peu comment ça, voilà, un petit peu comment je faisais Titan. Maintenant, je vais venir, je vais du coup vous parler, donc vous afficher, donc commentaire, l'échange qu'il y a eu. Ok, j'avais commencé à vouloir répondre et puis finalement, j'ai pas répondu. Voilà, donc hop, vous affichez ça. Voilà, alors. Est-ce vraiment valable de faire le raid en difficulté max? Moi perso, je le spam en super pour gagner rapidement les items car le temps que l'on perd à battre en difficulté max ne vaut pas le nombre d'items que l'on gagne. Le problème c'est que les items, donc dans un sens, c'est pas faux, mais dans le cadre d'un raid, c'est pas parce que tu vas plus vite que tu maximises tes gains. C'est ça qu'il faut penser en fait. Je sais pas trop si je m'exprime bien sur là-dessus. Mais en fait, pour maximiser réellement ses gains, entre le faire en difficulté, donc max, mais de jamais passer, ou de le faire dans la difficulté inférieure que l'on passe. Ben en fait, en fait j'ai perdu le mot. Pour savoir lequel des deux le plus viable à faire, il faut regarder par rapport à la perte de points de vie que vous faites sur la difficulté au-dessus que vous finissez pas. Donc ce gain-là par rapport au gain de finalisation de la difficulté précédente. Voilà, si à faire la difficulté max, vous n'avez pas la. Vous gagnez moins que si vous terminez la difficulté inférieure. Là, clairement, effectivement, il faut foncer sur celui que vous maximisez, c'est-à-dire celui que vous finissez. Dans le cas contraire, que vous gagnez plus à faire celui en difficulté supérieure sans finir par rapport à celle inférieure que vous finissez à tous les coups, bien forcément vous serez plus gagnant à faire l'ex pour maximiser vos gains de jetons. Après voilà, si par rapport aux items, ça parle des récompenses en termes de score, c'est sûr que si ça a un temps réduit, si ça peut pas lancer par exemple les 5 raids à la suite, très clairement par exemple, c'est sûr, ça c'est dommage de perdre du temps sur la supérieure si le gain est pas forcément super. Supra différent, ouais, supra différent. Bon, pourquoi je dis ce genre de vocabulaire? Si le différentiel est faible, c'est sûr qu'il y a moins de temps, autant maximiser et forcément faire la difficulté inférieure. Mais si vous avez le temps, très clairement, pensez à maximiser vos gains, donc de voir duquel des deux côtés il faut aller. Donc du coup après les réponses. 1700 jetons ou plus en ex, c'est quand même pas mal de points, mais tout dépend aussi des HP que tu lui retires. C'est celui que je fais, mais bon, j'ai des bonnes unités pour faire des combos facilement. Donc la réponse de Shiva. Du coup voilà, même moi voilà, j'avais eu 1600 jetons sur le premier combat. Là vu comme c'est parti, je devrais réussir à en choper plus. Ah là, c'est le tour du. Il faut rebreak. Sinon, on est mort. Du coup, ben. Bon, Chizuru, c'est celle qui.
On va dire c'est la moins problématique parce que elle naturellement elle a déjà un boost d'esquive, donc c'est pas trop gênant si je la dépêtre, si je fais pas le cher dessus. Après, il faut que j'espère que Titan ne s'amuse pas à enchaîner sur plusieurs tours consécutifs, quoi. Donc du coup, donc Shira qui dit, donc c'est celui que j'ai fait, mais donc le Hex, donc 1700 jetons. Bah là on va voir si j'arrive à le terminer, combien ça fait du coup à date du tournage bien entendu. Donc on va dire, donc je tourne ça jeudi soir. Et donc du coup après il a répondu, ouais moi je fais des combos, mais vu qu'il est résistant le combat s'éternise pas mal, je tape du 250k maxi par tour et encore. Personnellement suivant les tours, je suis pas plus que ça non plus, hein. Voilà, surtout quand je garde des alliés pétrifiés, hein. Allez. Alors que, bah voilà, c'est à part avec eux, grâce à l'unité alliée que je fais beaucoup plus, mais. Ah, il s'est mis en défense, du coup, le. En défense de Rain en plus. Non, mais sérieux. Ouh là 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 là. Alors. Alors, on va faire. On va faire la solution suicide, très clairement. Rain, tu te mets en bouclier. Tu te mets en garde. Izuru attaque. Toi, tu attaques. XDS, tu te soignes. Je vais revenir sur la suite des échanges. Donc voilà. Et ensuite, donc du coup. Oui, j'ai fait la capture pour le dessus. Et donc du coup, et après, réponse, donc, nouvelle réponse. Donc, bien, donc il y a la chance d'avoir Orlando et Frigavia. Donc forcément, ça va être pas mal. Ah, mais il a rien protégé en plus. Ou il a protégé du vent. Je sais pas. Donc voilà, donc plus encore un Orlando en ami, ça fait mal. Ouais. Il y a des vidéos qui existent si vous cherchez un petit peu qui vous disent du one turn kill avec du coup une team d'Orlando et un ami pareil. Tout le monde lance sa rune divine, forcément c'est le chain parfait, donc du coup ça fait des dégâts, des combos, des dégâts max et forcément ça tombe en un tour. J'ai même pas regardé de vidéo mais je sais comment ça se passe. Donc du coup forcément ça va être. Voilà, il y a Lee, mais au début, voilà, ça fait mal. Le combat prend moins d'une minute, oui, ça m'étonne pas. Mais au début, j'avais du mal, mon Orlando n'était pas augmenté. C'est-à-dire qu'il avait commencé sans que ce soit maxé. Et forcément, en maxant, ça aide pas mal. Et du coup, après, il a fait une petite interférence. J'ai aucun des deux persos, mais oui, Orlando est ultra puissant. J'ai plein d'amis. Ils l'ont, ça aide bien. Effectivement, Orlando en ami, ça aide pas mal. Comme des lunettes ou d'autres choses du même genre. Du coup, là, de toute façon, tout ce qu'il reste à faire, c'est de bourriner. Hein, on va tenter de l'achever. Là, eux, ils sont plus maxés, donc tant pis. Hein, je perds le tour pour les remaxer, mais il faut que je maximise mes dégâts, de toute façon. Voilà, à mon avis, ça va pas suffire, mais au moins on aura une bonne idée de combien de jetons ça fait. Ouais, ça sera, c'est clairement pas assez. À moins que rien se mette en défense entièrement. Ouh, ça peut passer. Ça va passer. Oh, Rain! Alléluia, Rain! Pour une fois que tu fais bien ton taf. Oh, punaise.
Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je l'ai fini! Et du coup, techniquement, j'ai fini en faisant la validation de tous les objectifs, je crois. Ou pas? Donc voilà, actuellement, il est 1988 jetons. Ah, le petit pincement au cœur, quand même. 1988 jetons. On a une année de naissance. Bon, enfin, bref. Voilà, on terminé, ok. Donc voilà, 2000 jetons. Voilà, donc il était un niveau 24. Donc 2000, pratiquement 2000 jetons sur une réussite du ex. Du coup, le. Je vais y arriver. Le sup. Voilà, c'est ça, c'est le sup. Donc ça rapporte 700 jetons. Mais surtout, bon, ce qui est le plus intéressant à savoir, c'est à partir de quel moment, ben, suivant combien de vie on enlève au boss, ça vaut le coup de le faire par exemple, en ex, sans le finir, plutôt que de le faire sur le sup. Parce que du coup, j'ai pu voir ça sur tous mes essais avant de réussir à de l'abattre. Et de ce que j'ai pu voir, si vous n'arrivez pas à enlever, je n'arrivais pas arrivé à la moitié des points de vie de Titan sur la ex, si vous finissez d'essayer la sup, très clairement, restez sur la sup. Vous serez beaucoup plus efficace et surtout plus rapide également pour récupérer les jetons si chers à récupérer. Voilà, donc c'est faut penser donc à 50% de la vie. Après, si vous êtes au-delà, c'est à vous de voir. Hein. On va dire de 50 à 75%. En gros. Moi, bon, je vous donne que des conseils. Hein. Je vous oblige à rien. C'est juste, je vous fais part voilà, de mes appréhensions de ce que je. De comment je sens la chose. Donc très clairement, si voilà, c'est au-delà, donc en dessous de 50% et moins, clairement vaut mieux le sup. Si vous êtes entre 50 et 75, je vous conseillerais tout de même de faire le ex, mais si vous préférez le sup, c'est vous qui voyez, hein, très clairement, je vous force à rien, hein, je menace pas de quoi que ce soit, de toute façon je peux pas. Donc du coup voilà, entre 50 et 75% de ces points de vie, je vous conseille plus de faire l'ex. Et du coup, au-delà de 75%, là c'est même pas. J'ai envie de dire, même pas on discute, c'est faites directement le. Faites directement l'ex quoi. Plus 75% ou plus, enfin, plus 75%, voire. Bon, si vous le terminez à chaque fois, clairement la question se pose pas, on est d'accord. C'est une fausse. C'est une fausse question, on va dire, du moins d'un livre. Et voilà, comme ça, voilà, moi, voilà, je vous ai retracé un petit peu du coup les paliers pour savoir qu'est-ce qu'il est préférable de privilégier. Du coup, ouais, je vais réussir à le finir une nouvelle fois, c'est cool. On va quand même remettre d'aplomb tout ça. Voilà, c'est.
Orlando devrait le terminer tout seul comme un grand. Voilà, nickel. Voilà, donc les paliers au niveau du farming. Donc moins de 50% de l'ex de manière, on va dire, régulière, c'est-à-dire 80. Voilà, on va dire, voilà, c'est tout. Voilà, aussi, il faut que ce soit régulier aussi, quand même, comme perte de vie que vous faites sur le boss, indépendamment des essais. C'est sûr que si vous arrivez une fois à dépasser les 50% et le reste du temps, non, c'est même pas la peine de réfléchir. Voilà, vous restez sur le sup, quoi. Voilà, c'est plus de manière, voilà, niveau régularité, ce que vous arrivez à lui faire perdre au titan, de voilà de voir combien vous faites perdre en gros, ouais, plus ou moins, hein, c'est pas, y a pas besoin de science exacte non plus, mais on va devoir plus ou moins où c'est que vous en êtes. Et après, donc du coup, vous faites une moyenne, et après, ben, vous voyez où vous situez en termes de pourcentage de sa vie. Voilà, pour décider ce qui peut être le plus efficace. Voilà, après, si vous êtes du genre à pas avoir vraiment le temps de faire quoi que ce soit, enfin, de faire quoi que ce soit, c'est pas ça l'idée, c'est plus. Vous n'avez pas forcément trop de temps à chaque fois quand vous devez le faire, parce que voilà, vous êtes pressé. Vous avez sûrement de bonnes raisons de ne pas avoir le temps nécessaire pour bien farm. Donc effectivement, vous faites au plus rapide. Après, si vous avez le temps réellement, donc faites votre moyenne d'HP de titan. 50% et moins sur le ex, restez sur le sup. Ça, c'est le plus rapide et le plus simple pour vous. Entre 50 et 75, vous pouvez permettre de faire l'ex. Bien que si votre moyenne est plus votre moyenne est proche de 50, on va dire, plus je vous conseillerais de retourner sur le sup, et plus vous êtes vers le 75%, ben, plus je vous conseille de rester sur le ex. Et puis, bah, 74% et plus, c'est le ex sans quelconque réflexion à avoir sur le sujet, quoi. Bon, là, Ishtola, j'ai pas besoin de lui faire un double, hein. Double soin max, on est d'accord. Voilà, donc je vais mener ce combat à son terme. Tant qu'à faire. Donc du coup, je sais pas combien j'ai arrivé de sa vie, hein, pour le coup. Là, avec l'équipe que j'ai, personnellement, là, je sais que en principe, j'arrive à arriver au moins à ces 50%. En de rares occasions, c'est moins, mais est-ce quelle idée d'avoir pris cette unité alliée? Oui. Ça c'est que sur le premier tour, hein, j'ai pas l'impression que c'était aussi long. Ouais, c'est bizarre. Oula, oulala, oulala. Pardon, cher.
Ah oui, sinon, donc du coup, pour optimiser votre équipe, pour essayer de maximiser vos dégâts ou limiter les attaques adverses. Bon, pour optimiser l'attaque, il y a, à part donc du coup, des armes qui auraient tue-pierre, basiquement. Sinon, donc il a pas de faiblesse élémentaire, hein, comme on disait. Donc du coup, toute arme élémentaire est bonne à utiliser. D'autant plus si vous pouvez le débuffer sur ces éléments-là. Et surtout, ne pas hésiter à s'en servir, hein, très clairement. Ah, mais pourquoi ça, de protection? Surtout si c'est se protéger l'un l'autre, ça sert pas à grand chose. Hein. Par contre, pour vous protéger davantage, il faut essayer de booster votre défense. Très clairement. Et ah oui, aussi, ça voudrait dire, mais tumulte, c'est une attaque de terre. Pourquoi ça prend pas de l'anti-terre plus pour réduire ses dégâts? Tout simplement parce que le tumulte, ce n'est pas une attaque terrestre, c'est une attaque neutre. Ou bien c'est une attaque élémentaire, mais pas de terre. Parce que j'ai plus que j'ai fait comme élément. Mais très clairement, c'était haut que c'est pour les deux, trois, les deux que j'ai utilisés, c'était pas. Ça n'a pas fait de réduction supplémentaire, donc automatiquement, je sais que. Ah, je peux me permettre là. Là, je peux me tenter ça. Parce que là, Izzet, en tant qu'il récupère ses MP, il récupère ses PV. Bon, par contre, là, ça sert à rien puisque le. Ça va remourir avec tous les tumultes, mais bon. Au moins, j'ai fait l'effort. Attends, la double protection? Non. Oh, pas grand-chose, quoi, elle est morte. Rain, c'est quoi le tour d'avant que j'ai fait? Ah oui, j'ai refresh les boosts. Donc, je peux faire une garde. Et protège bien, surtout. Non, ça sert à rien. Si tu vas protéger Shizuru, ça sert à rien. Naturellement, elle a déjà des bonus pour pas se prendre des tumultes. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui doit mettre la puce à l'oreille en fait, réellement. C'est que les attaques tumultes peuvent rater. Mais non, mais non, mais. Oh, mais encore une erreur stratégique, mais c'est pas possible. Ah, mais ça, c'est le tour du debuff. Donc clairement oui du coup les protections élémentaires les sorts de protection élémentaire ne servent à rien sur votre équipe contre Titan. Voilà, ça fait partie des petites choses voilà en plus à savoir quand même. Allez, génial. Bon, par contre là j'ai pas le choix. Rain, je l'ai plus, je suis foutu.
Et à part ça, sinon, ouais, rien d'autre à faire, enfin, rien d'autre. J'ai pas forcément tout relevé non plus, mais. Non, mais. Oh, merci. T'es trop gentil là. Titan, franchement, t'es trop gentil. Du coup, la petite vie. Le soin max. La garde. Ouais, j'ai quand même terminé sur, sur une invocation de raid, quand même. Mais pourquoi se met en protection en plus de Rain? Non, ou... Ah non, c'était quelqu'un d'autre peut-être, je sais plus. Je sais même pas qui de protection ça s'était mis, mais bon, c'est pas grave. Alors, dévastation. Il va se dire, oh non, celle-là, il faut qu'elle reste morte, donc je vais bourriner dessus. C'est-à-dire, prochain tour, je le finis, mais c'est même pas sûr. Bon, si c'est vraiment comme ça, à la limite, ça me va. Alors. Et j'aurai toute mon équipe en vie en plus, c'est pas beau ça? Donc oui, ça oui, ça oui, ça oui. Ah oui, pardon. On va quand même remettre le booster. Alors, toi, dégâts de ténèbres. Une Maillard, dégâts sur un ennemi, et dévastation, et ça devrait se terminer en bonne et due forme. Moyennant la fin de la dévastation. J'aurais dû porter qu'une simple attaque physique en fait. Donc j'y pense. J'aurais dû faire ça comme ça, c'est pas grave. Voilà, c'était long. Ouais, bien sûr, j'ai pris une initiative qui fallait pas, fait, du coup, qui porte 30 milliards d'attaques. Et puis en plus, j'ai fait durer le plaisir parce que il m'a fait des tueries, de la pétrification. Mais après, derrière, il m'a patouillé tout le reste sur un tour. Il m'a laissé des répits. Du coup, j'ai pu me remettre bien, etc., etc. Il abuse. Il a clairement abusé ce titan-là. Alors, au niveau de ma progression, j'en suis où d'ailleurs? Je sais même pas. Alors, 529 899 points individuels. Ce qui me place à quel endroit? Donc, j'ai eu la moque de confiance.
De toute façon, très clairement, personnellement, je vais jusqu'à Smogla et encore. Au moins jusqu'au niveau du cristal divin, et puis après, si j'y retourne, ça sera juste pour du bonus, mais sans être en mode il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que je récupère, il faut que je récupère. Et pourtant, il faudrait, parce que il y a quand même des choses à récupérer. Sur les invocations, notamment les unités pour obtenir des récompenses de confiance, quoi. On va accélérer un peu le mouvement. Donc Tancred, 2 Tancred, 4 Tancred, une Ida. Ouais, rien de bien folichon, hein. Donc, toujours plein d'objets. Et je sais même pas si est-ce que j'ai des magies. Ah ben non, pas du tout. Bon ben voilà, donc c'était donc seconde vidéo sur les vendeurs de Titan. Honnêtement, j'ai même pas envie de faire de troisième partie. Et du coup là, j'ai un peu tout dit, tout raconté par rapport à cet event-là. Mais en fonction des retours qu'il pourrait y avoir dessus, peut-être qu'il y en aura une troisième, je sais pas. Personnellement, je pars pas pour. Mais après, s'il y a des échanges ou il y aurait des choses à repréciser ou à dire un petit peu plus qu'est-ce que je voulais dire derrière certains propos, voilà, je pense que je profiterai quand même pour en faire une dernière partie pour échanger un petit peu la manière de que je vois les choses et de comment je les présente, hein, bien entendu. Pour que au moins après pour toutes les fois à venir, au moins ben, vous savez comment je fonctionne, comment je pense, comment je transmets les informations et voilà ce qui peut être important, pas important, etc. etc. Donc voilà. De toute façon, on se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos sur Final Fantasy. On se retrouvera très bientôt sur de nouvelles vidéos de Final Fantasy Brave Exvius. D'ici là, je vous dis à la prochaine tout le monde et portez-vous bien!